Bon matin, Église Le Portail. Merci encore une fois de vous joindre à nous en ligne. Mon nom est Simon, pasteur des ados ici à l'Église. Et merci encore une fois de me donner l'occasion et l'opportunité de pouvoir vous partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous savez, je ne prends pas pour acquis votre écoute. Donc, merci d'être au rendez-vous. Merci de m'accueillir dans votre salon. Ce matin, nous poursuivons notre thématique qui se nomme... Anticor. Et parlant d'anticorps, est-ce que tu étais au courant qu'il existe présentement plusieurs maladies très anciennes que l'on croyait presque disparues, mais qui sont présentement en train de refaire surface à cause de multiples raisons? Tu as déjà entendu parler du scorbut dans des vieux films. On entend régulièrement parler de cette vieille maladie qui est le scorbut. Eh bien, saviez vous que cette maladie est en train de faire son retour malgré que nous avons plus que jamais des végétariens et des véganes. Cette maladie revient parce que malgré tout, la majorité de la population ne mange pas assez de légumes et de fruits. Il y a aussi les maladies de la polio et de la rougeole qui sont de retour en force. C'est des maladies qu'on croyait qu'on avait vaincu grâce aux vaccins. Mais puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui sont anti-vaccins, ces maladies sont en train de ressurgir dans la société. Une autre très vieille maladie dont on parle dans la Bible, c'est la lèpre. La lèpre est de retour et vous savez pourquoi? Parce que la lèpre est une maladie très surnoise. Pourquoi? Son temps d'incubation est très lent. C'est-à-dire que vous avez le temps de contaminer beaucoup de personnes avant de vous rendre compte que vous avez cette maladie. Et dans la Bible, régulièrement, on va utiliser et comparer... La santé physique, la santé du corps comme une illustration de la santé spirituelle de notre âme. Notamment en 1 Timothée 4,8, l'apôtre Paul va dire que l'exercice physique est utile, a une utilité certes, mais limitée, contrairement à la, la, la santé de l'âme. Pourquoi? Parce que notre corps terrestre actuellement, lui, va faire un temps. Alors que de la santé de ton âme dépend peut-être ton éternité, donc c'est beaucoup plus illimité. Et on pourrait dire, on pourrait utiliser la même logique pour parler des maladies, vous savez. On pourrait dire que les maladies sont dangereuses, mais les maladies physiques ont un danger limité. Alors que les maladies spirituelles, elles sont beaucoup plus graves car elles peuvent affecter votre éternité. Et j'aimerais vous parler ce matin d'une maladie très ancienne qui n'a pas disparu, comme un peu la lettre qui est très sournoise et qui apparaît au milieu du peuple de Dieu et qui peut nous contaminer rapidement. Et c'est pourquoi le titre du message, c'est Anticorps contre la maladie du compromis. Je veux vous parler du compromis, une vieille maladie spirituelle qui ressurgit, contamine l'Église de Jésus-Christ. Donc, si tu as une Bible, tu peux aller retrouver le, ch le chapitre 8 de, du livre de l'Exode. Donc, on remonte loin dans la Bible, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est une vieille maladie qui est encore vivante aujourd'hui. Exode, deuxième livre de la Bible, cherche le chapitre 8. Pendant que tu cherches, laisse-moi te rappeler, te résumer le contexte du chapitre 8. Nous connaissons tous, grosso modo, l'histoire de Moïse. Dieu envoie Moïse, son serviteur, afin de libérer son peuple qui est captif en Égypte. Et euh, Moïse va aller voir Pharaon, va demander à Pharaon, laisse ton peuple, laisse le peuple de Dieu sortir d'Égypte et aller adorer l'Éternel dans le désert. Et Pharaon va refuser. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va répondre en envoyant les fameuses dix plaies d'Égypte. Je crois que pratiquement tout le monde a vu au moins une fois à part les fameux films sur les dix commandements qui passent à chaque année à Pâques. On a toutes des images hein, de ces displays. Premièrement, Dieu va changer l'eau en sang. Ensuite, Dieu va envoyer les, les grenouilles. Ensuite, Dieu va envoyer les moustiques et finalement, il va envoyer les mouches venimeuses. Et au début, au début, quand Dieu commence à faire des plaies, ce que l'on voit, c'est que les magiciens de Pharaon... On va essayer d'imiter ce que Dieu fait. Ils vont imiter la première plaie, la deuxième plaie, et ainsi de suite. Et on voit que rendu à la quatrième plaie, les, les magiciens de Pharaon sont rendus incapables d'accoter la puissance et la souveraineté de Dieu. Et Pharaon est bien conscient qu'il est en train de perdre la face. Il est bien conscient qu'il ne peut pas rivaliser avec la puissance de Dieu. Et à ce moment-là, il y a un tournant. Euh, ce qu'on voit, c'est que Pharaon va changer. Sa stratégie. Ce que Pharaon va faire, c'est qu'il va faire venir Moïse et Aaron, il va leur faire des propositions. Trois contre-offres à ce que Moïse demande au nom de Dieu. Trois propositions. Et c'est des commentateurs de la Bible, des théologiens tels que P.G. Ryken et R.Q. Hughes qui nous disent que. Le texte nous montre que Pharaon est très conscient. Il est très conscient que Moïse ne veut pas juste aller adorer dans le désert. Il vient vraiment libérer le peuple de Dieu de l'esclavage, de l'autorité de la puissance de Pharaon. Et Pharaon ne veut pas perdre sa mainmise sur le peuple. Et c'est pourquoi que les propositions de Pharaon ne sont pas naïves. Ce ne sont pas des propositions d'arrivée, ce sont des stratégies du diable. Ce sont des ruses afin de préserver son autorité sur le peuple de Dieu. Ce sont des ruses, ce sont des compromis. Pharaon veut compromettre la foi du peuple de Dieu. Et peut-être que présentement, tu es en train de te dire, mais oui, mais Simon, en quoi cette histoire d'Israël avec Pharaon nous concerne, nous, l'Église, aujourd'hui? Laisse-moi te répondre à la maison en te posant en retour deux. Question. Première question que j'ai envie de te poser, c'est qui aujourd'hui est le peuple de Dieu? Qui est le peuple de l'Alliance? Qui est le peuple de, le, le peuple des promesses de Dieu? Qui est le peuple, l'Assemblée des croyants qui servent Dieu? C'est l'Église. C'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est l'Église de Jésus-Christ. Deuxième question: Qui aujourd'hui est l'adversaire de l'Église de Jésus-Christ? Qui est le tentateur, le menteur? Celui que la Bible appelle le père du mensonge, le prince? de ce monde, c'est Satan. Ce que ça nous indique, c'est que encore aujourd'hui, Satan à chaque jour confronte chacun des croyants de l'Église de Jésus-Christ en proposant continuellement ses trois compromis dans le but de compromettre la foi du croyant afin de garder son autorité, son emprise et sa puissance sur les croyants. Donc, si tu as ta Bible, sans perdre un instant, va euh, au verset 21 du chapitre 8 du livre de l'Exode et nous allons lire ensemble, il est dit, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, allez offrir des sacrifices à votre Dieu, mais dans le pays, restez en Égypte pour voir vos sacrifices. Premier compromis que Pharaon propose, c'est celui de dire, sois un chrétien mondain, soit un chrétien mondain. C'est-à-dire, appelle-toi chrétien, va à l'Église mais continue de vivre dans le monde, continue de ressembler au monde qui tantôt. C'est ce que Pharaon dit, ça me dérange pas que vous adoriez votre Dieu mais vous allez rester des Égyptiens sous l'emprise des Égyptiens. C'est un peu comme Satan qui dit aujourd'hui aux chrétiens, Ah, oh, ça me dérange pas, je peux pas rivaliser avec la puissance de Dieu. Appelle-toi chrétien, va à l'église, mais tu vas continuer d'être sous mon autorité, de vivre comme le monde qui nous entoure. Un, ça, c'est l'image d'un chrétien, en fait, qui dans sa vie, à part s'appeler chrétien et aller à l'église le dimanche, absolument rien n'a changé dans sa vie. Nous, les pasteurs, bien souvent, nous avons un nom affectif pour ce genre de, de chrétien. Ce sont les chrétiens agents secrets, hein, les chrétiens agents 007. Ils sont undercover, cachés dans le monde. Personne ne sait qu'ils sont chrétiens. Puis même eux, je ne suis pas sûr qu'ils savent si c'est quoi être vraiment un chrétien. Et ce qu'on voit ici, c'est que pour Pharaon, dire à quelqu'un OK, appelle-toi chrétien, OK, va à l'Église, fais des choses de chrétien, mais tu continues à vivre comme ce monde et vivre dans ce monde, pour Pharaon, c'est une victoire. Parce que même si ton nom a changé, ton autorité spirituelle n'a pas changé, il demeure, il demeure ton autorité et ta tête. Pour Moïse, on voit que Moïse va répondre à Pharaon. Ce que Moïse va dire en gros, je paraphrase, c'est une question de vie et de mort. La cohabitation entre deux Seigneurs, deux Maîtres, est totalement impossible. C'est Colossiens qui nous dit que si tu es en Jésus, tu as été transporté du royaume des ténèbres et tu as été transporté dans le royaume du Fils bien-aimé, qui est Jésus. Tu n'appartiens plus au royaume des ténèbres. Tu n'appartiens plus à l'autorité spirituelle du prince de ce monde. Maintenant, ton autorité et ta tête, c'est Jésus Christ. Nous ne pouvons pas cohabiter avec euh, en ayant comme Seigneur le prince de ce monde et Jésus Christ, le vainqueur de ce monde, en même temps. Encore une fois, c'est les commentateurs de la Bible, Riken et Hughes, qui nous disent Cette proposition de Pharaon, nous y faisons face continuellement dans nos vies. Lorsque, par exemple, nous sommes confrontés au choix de déclarer ou non nos revenus, comme le reste du monde qui nous entoure. Ou lorsque nous sélectionnons les films, la musique et les divertissements que nous allons écouter, comme le monde autour. Ou lorsque nous faisons le choix de nos activités, ou lorsque notre fidélité, notre pureté est mise à l'épreuve, comme le monde qui nous entoure. Ou bien lorsque nous participons aux discussions avec nos collègues autour de la machine à café. Et lorsque, bien sûr, à chaque fois que nous évaluons les idées, les philosophies et toutes les croyances qui nous sont présentées tout autour chaque jour. Cette proposition-là se présente continuellement dans la vie d'un chrétien. Vais-je agir selon mon autorité spirituelle ou selon le prince de ce monde? Vous savez, le principe... Derrière, le principe derrière ce que j'essaie de vous communiquer ce matin n'est pas de dire que un chrétien devrait toujours ressembler à Dieu. Un chrétien est, est parfait et n'a pas le droit à l'erreur. Un chrétien devrait toujours avoir une certaine quantité de sainteté, une quantité d'obéissance, une quantité de bonnes œuvres dans sa vie pour être un vrai chrétien. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, ce n'est pas le principe. Le principe n'est pas une quantité à atteindre, mais plutôt, ce n'est pas une question de quantité, c'est plutôt une question d'identité. C'est beaucoup plus fondamental et essentiel de ça. La question, c'est qui est ton autorité et est-ce qu'on retrouve dans ta vie les marques de cette autorité à laquelle tu appartiens? Voyez, Dieu va libérer en exode son peuple et un peu plus loin en exode 20. Lorsque Dieu va donner sa loi, lorsque Dieu va donner ses commandements, lorsque Dieu va donner les fameux dix commandements qui représentent le caractère de Dieu, sa moralité, sa sainteté, voici comment Dieu introduit les dix commandements. Dieu va dire Je suis le Seigneur Yahweh, ton Dieu, c'est moi qui t'as fait sortir de l'Égypte, de la maison des esclaves. Et ensuite, il commence les dix commandements Un, tu n'auras pas d'autre Dieu devant toi. Dieu n'est pas, pas allé voir Israël il n'a pas dit Je vais vous donner mes commandements sacrés. Je vous allez obéir. Je vais revenir plus tard voir si vous êtes bon pour obéir à mes commandements. Et si vous êtes assez bon, si vous avez une assez bonne quantité d'obéissance, je vais vous sauver, je vais vous libérer, je vais faire de vous mon peuple. Je vais vous donner la vie, et vous conduire dans une terre promise. C'est pas ce que Dieu a fait. Non, Dieu a sauvé, libéré son peuple, donné la vie, conduit pour une terre promise. Il en a fait son propre peuple à lui. Il est devenu leur autorité. Et ensuite, il a donné la loi, les dix commandements. Dieu a sauvé d'abord, il a changé l'identité, il en a fait son peuple. Et maintenant, parce qu'ils sont le peuple d'un Dieu saint, c'est Dieu qui va le dire, hein? soyez saints comme je suis saint. Parce que maintenant nous appartenons à un Dieu qui est saint, parce qu'il nous a sauvés et que c'est maintenant lui notre chef et notre autorité. Les marques de sa sainteté se voient maintenant dans notre vie. Et frères, sœurs, chrétiens, ça n'a pas changé pour l'Église. Même dans le Nouveau Testament, nous voyons cette même logique. Par exemple, prenez l'épître aux Romains. Une lettre importante pour le chrétien. Remarquez comment que Paul va utiliser les 12 premiers chapitres de son épître afin de nous présenter la bonne nouvelle de l'œuvre de Jésus-Christ. Comment que Jésus est venu nous arracher de ce monde des ténèbres. Comment il est venu nous sauver, nous pardonner, nous donner la vie éternelle, changer notre identité, devenir notre chef spirituel. Il passe 12 chapitres pour nous expliquer cela. Et ensuite... Simplement les chapitres 12 à 16, à la fin, nous expliquer les implications maintenant dans la vie chrétienne. C'est la même logique. Il commence par nous montrer ce que Jésus a fait pour nous sauver, vie éternelle, identité changée, et ensuite on parle des implications dans la vie éternelle. C'est la, la même logique. Et la question que j'aimerais te poser, c'est de toute façon, pourquoi voudrais-tu continuer à vivre sous l'autorité du prince de ce monde Pourquoi voudrais-tu continuer de vivre sous l'autorité d'un menteur qui gouverne un monde déchu, imparfait, qui de toute façon se dirige vers un mur. Ce monde se dirige vers le jugement et la destruction. Pourquoi voudrais-tu suivre le prince de ce monde? Pourquoi ne voudrais-tu pas suivre Jésus-Christ, le vainqueur de ce monde en qui nous avons la vie éternelle? Et la question que j'aimerais te poser, ou les questions ce matin que j'aimerais te poser, c'est... Est-ce que Dieu t'a sauvé? Est-ce que tu fais partie de son peuple? Est-ce que Dieu est maintenant rendu ton autorité en lui? Est-ce que tu es devenu une nouvelle créature destinée à une nouvelle vie, marchant sur un nouveau chemin, celui de Jésus-Christ, le chemin de la vie éternelle? Est-ce que Dieu t'a donné un nouveau cœur avec de nouveaux désirs, de nouveaux pensées? Je ne suis pas en train de dire que des fois on ne lutte pas avec d'anciens désirs, d'anciennes pensées, mais est-ce qu'au moins il y, une, il y a une semence de nouvelles pensées, de nouveaux désirs qui combattent? Est-ce que tu marches sur un nouveau chemin? Est-ce que Dieu est ton? Est ta nouvelle autorité spirituelle. La question que je te pose, c'est n'est pas est-ce que tu es rendu au bout de ton chemin, est-ce que tu es arrivé au bout de ta destination, est-ce que tu es rendu parfait? Ce n'est pas la question. Ma question, c'est juste sur quel chemin es-tu? As-tu changé de chemin en Jésus-Christ? Si oui, déclare-le avec des « Amen » dans les commentaires. Tu sais, Jésus-Christ va dire, Jésus va dire en Jean, en Jean 17-15, il va dire qu'il prie pour nous, il prie pour l'Église, non pas que nous soyons retirés de ce monde mais plutôt que nous soyons préservés du mal de ce monde. Et le chrétien, nous vivons dans ce monde présentement, avec, le, comme je l'ai dit, le prince de ce monde, le tentateur, mais nous appartenons au royaume de Dieu. Et le chrétien n'est pas appelé à être refermé, retiré de ce monde. Il est appelé à naviguer dans ce monde, préserver du mal et briller. Avec l'Évangile pour la gloire de Christ. C'est ce que le chrétien est appelé à faire. Et trop souvent, lorsqu'on regarde à l'histoire de l'Église ou lorsqu'on regarde aux Églises présentement, on remarque que bien souvent, nous sommes les êtres humains dans des extrêmes. Il y a des Églises qui ne font pas ce que Jésus a déclaré, ce que Jésus a prié ici des Églises qui se referment contre. Complètement sur elle-même. Ce sont un peu des églises qu'on pourrait dire qui sont contre-culturelles. Elles ont décidé que la culture, elle est mauvaise, donc nous la rejetons, nous nous refermons sur nous-mêmes, nous nous retirons de ce monde pour nous préserver. Ça, c'est le modèle de certaines églises. Il y a des églises qui font l'autre extrême, c'est-à-dire qu'elles veulent être dans le monde. Donc, ces églises disent, Dieu est dans le monde, Dieu est bon, donc la culture, elle est bonne. Et ces églises reçoivent complètement la culture. Et le but de ces églises-là, c'est, je, je crois qu'elles veulent briller dans le monde. Sauf que le défaut aussi qui arrive dans ce genre de moment-là c'est que ces églises-là n'évaluent pas ce qu'il y a dans le monde et se retrouvent contaminées. Et ces églises, un peu, et on en a connu plein des églises dans ce genre-là, qui disent qu'on a l'impression que leur message, c'est ⁇ nous sommes comme vous, on porte les vêtements cool que vous portez, on fait la musique que vous aimez, on fait tout comme vous, c'est juste que nous, on a Jésus en plus. ⁇ Le problème de ce genre d'église-là, c'est que les gens regardent à ces églises et se disent, mais finalement, la frontière entre le monde... Et le royaume de Dieu devient flou parce qu'on fait tout pour imiter et ressembler à la culture. Donc, il y a un extrême qui reçoit toute la culture, qui essaie d'imiter la culture et la frontière entre le monde et l'Église devient floue. Et il y a un autre extrême où on se retire du monde. Jésus n'a pas prié ni l'un ni l'autre. Jésus nous a dit, on est dans le monde pour témoigner et briller, mais préserver du mal. C'est-à-dire que le chrétien ne peut pas y échapper. Notre arme, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, le Saint-Esprit. Et le bon sens, nous sommes appelés avec la, 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 la lunette de la parole de Dieu remplie du Saint-Esprit à naviguer et manœuvrer dans ce monde pour de façon à éviter le mal, à, à ne pas être préservé du mal, mais ne pas se refermer afin de pouvoir briller. Le chrétien doit être capable avec sagesse de naviguer dans ce monde. Et j'aimerais vous proposer un peu une sorte de filet de quatre questions afin d'être capable de pouvoir évaluer convenablement le monde, de ne pas se retrouver ultimement dans uniquement rejeter tout ou accepter tout, mais plutôt avec nuance, d'être capable de naviguer dans ce monde avec un filet de réflexion. C'est un peu comme, voyez ça un peu comme une sorte de autodéfense spirituelle des philosophies, des croyances et des activités du monde qui nous entoure afin de pouvoir vivre dans ce monde mais se protéger du mal. Je sais pas si vous êtes comme moi mais on a tous eu à quelques moments dans nos vies, des fois à l'école ou ailleurs, un genre de un cours d'initiation aux arts martiaux où un professeur nous a appris... Une seule technique dans une condition vraiment très précise. Et là, on, on a juste appris cette technique-là. -là, Puis là, on est persuadé qu'on peut se défendre contre tout. Pis on fait juste répéter la même technique. Le professeur, dans le fond, il nous a juste donné un coup de poing semi-lent dans le centre avec une technique. Là on, là, on se croit qu'on on est comme dans un film d'action. Là. Puis là, on regarde les gens et dit si tu viens m'attaquer sur un tapis bleu en me donnant un coup de poing semi-vite comme ça, je suis capable de te neutraliser complètement. Et c'est un peu le même des fois que l'Église a. Les Églises, des fois, ont une seule arme. Soit on rejette tout, soit on accepte tout. Moi, j'aimerais te montrer un peu plus de mouvement pour être capable de mieux honorer la prière de Jésus-Christ, naviguer dans ce monde avec parole, sagesse, discernement et Saint-Esprit, et pouvoir briller dans ce monde. Donc quatre questions là de simplement deux extrêmes. Première chose, il y a des choses bonnes dans la société, il y a des choses neutres dans la société et la culture, il y a des choses mauvaises dans la société et dans la culture et des choses qui sont rachetables. Premièrement, des choses qui sont bonnes. La parole nous dit que tout ce qui est bon vient de Dieu. Il y a présentement une sorte de grâce commune de Dieu qui retient un peu le mal et qui agit. Avec le gentil, avec le méchant, avec le juste et avec l'injuste. La Bible nous dit qu'il pleut sur la tête du gentil et du méchant. Donc, il y a présentement une action de Dieu commune qui est bonne, est ce qu'on appelle la grâce commune. Par exemple, nous louons Dieu de la grâce de la médecine qui permet de sauver des vies. Gloire à Dieu pour la médecine. Il y a aussi des choses qui sont neutres, comme la technologie. Vous savez, il y a quelque chose d'asservissant parfois dans la technologie. D'ailleurs, des familles doivent prendre des décisions familiales à la maison pour mettre des limites à la technologie, pour, que, pour pouvoir favoriser les relations. C'est des choses qu'on doit faire des fois pour pas que la technologie soit trop asservissante. Mais en même temps, la technologie peut être utilisée comme un outil puissant. Présentement, en temps de pandémie, merci Seigneur pour la technologie qui nous permet de glorifier et d'honorer le Seigneur. Euh, il, en 1920, lors de la grippe espagnole, qui était une autre grande pandémie, c'était la technologie du téléphone qui était vraiment, euh, on remerciait le Seigneur pour cette technologie qui permet de rester connecté malgré des confinements. Donc, il y a des choses qui sont neutres. Et il y a irrémédiablement des choses qui sont mauvaises dans notre société et dans notre culture. Et nous devons être capables d'apprendre à les déceler, à les identifier, pour être capables de les voir venir. Parce que la réalité, c'est que bien souvent, euh, Écoutez-moi bien, je ne veux pas vous perdre et je ne veux pas donner l'impression que je généralise, je veux juste nous aider à être capables ensemble, chrétiens, à identifier parfois des angles morts qu'on peut avoir. Je remarque que des fois, certains croyants, Certains croyants connaissent extrêmement bien leur Bible, mais sont complètement déconnectés de ce qui se passe dans le monde, des philosophies, des croyances de ce monde, donc ils ne sont pas capables de répondre aux questions de notre société et d'identifier les défauts de croyances de notre, de notre société afin que, justement de mieux apporter l'Évangile. Mais je vois aussi l'inverse. Je vois aussi des croyants qui euh, ont la Bible, oui un peu, ils la connaissent, mais ils connaissent beaucoup mieux les croyances de notre société, beaucoup plus les philosophies, les théories qui fondent la société postmoderne dans laquelle nous vivons. Et bien souvent, ils ne sont pas capables de répondre. En fait, c'est plutôt qu'ils vont lire la Bible avec la paire de lunettes des croyances de notre monde. Le croyant ne peut pas s'en tirer si nous voulons être rigoureux et, encore une fois, honorer la prière de Jésus. Nous devons connaître notre Bible et connaître la culture dans laquelle nous vivons. Quelles sont les croyances fondamentales de la culture postmoderne pour être capable, premièrement, de voir venir ces idées-là, être capable de les identifier, d'avoir un recul, d'être critique, mais plus que ça, être capable de briller par l'Évangile parce que la, la, la société qui nous entoure croit dans ces éléments de foi-là. Et vous savez peut-être que peut-être que vous n'êtes pas au courant de toutes les théories qui sont le fondement de la société postmoderne. Vous n'êtes pas au courant de tout ce que ça implique, le relativisme, l'universalisme. Euh, on dit qu'un des fondements principaux de notre culture actuellement, c'est le matérialisme scientifique, euh, les, les, toutes les, la, 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 qui donne aussi, qui découle des conséquences comme toutes les questions au niveau de l'autodétermination. Je détermine euh, mes critères de liberté, de moralité et d'identité. Peut-être vous n'êtes pas conscient de tout cela, de toutes ces étiquettes et ces noms. Mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas au courant des noms, des étiquettes, des théories, que vous n'êtes pas influencé par elles. Vous savez, tu n'as pas besoin de comprendre comment fonctionne le principe d'Archimède pour prendre un bateau. Tu, vas, tu peux expérimenter le principe d'Archimède sans connaître la théorie. Cette société expérimente toutes sortes de croyances, même si tu ne connais pas les théories en arrière. Et c'est important pour le chrétien de pouvoir voir venir ces euh, théories avec un regard critique et briller dans le monde par rapport à ces philosophies. Parce que laisse-moi te dire, la plupart de ces théories, de ces philosophies ont réellement des problèmes que l'Évangile peut apporter une solution qui est bien heureuse, qui est une réelle bonne nouvelle pour notre société. Et vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu un peu ce film qui, qui se nomme Inception avec Leonardo DiCaprio, où son travail, c'est d'implanter des idées dans la tête des gens sans que ces gens ne s'en rendent compte. Ces gens-là pensent que cette idée-là vient de eux. Vous savez, une joie que j'ai régulièrement dans mon ministère avec les ados à accès, c'est lorsque nous faisons des, euh, des soirées qu'on appelle les soirées interactives. On réunit les jeunes, et là, le but de ces soirées-là, ce n'est pas de, de communiquer un message, mais c'est plutôt de susciter la discussion et l'échange. Et c'est fun de voir qu'est-ce que les jeunes ont compris pris retenu des messages et combien de fois j'ai été émerveillé de voir certains jeunes répondre à des questions et commencer à citer des points d'un message que j'avais prêché il y a simplement quelques semaines avant mais ils le citent en s'appropriant l'idée ils pensent que l'idée et l'opinion est venue de eux alors qu'ils me citent presque mot pour mot certains jeunes sont persuadés que c'est eux qui ont eu l'idée mais en fait c'est moi qui les a influencés ça c'est quelque chose que je trouve beau c'est quelque chose que je trouve cute mais <laughs> En même temps, Satan est un, un imitateur usé et on voit la même chose à l'inverse. Notre société nous bombarde continuellement de ses idéologies et on ne se rend pas compte, chrétiens, ne soyons pas naïfs, nous ne sommes pas aussi imperméables aux théories de ce monde que nous croyons. Nous sommes influencés par les théories. C'est pourquoi nous devons les identifier, les voir venir, les critiquer et apporter l'Évangile en retour. Et c'est pourquoi j'aimerais te proposer quelques lectures. Comme je vous l'ai dit, le chrétien qui veut honorer la prière de Jésus veut connaître la parole et connaître les théories de ce monde et naviguer à l'intérieur de elle et non se replier sur lui-même. Et je veux te présenter deux livres que je crois qui, qui sont excellents, un des, des meilleurs livres dans le domaine pour nous aider à naviguer. C'est des livres de notre cher, un pasteur que nous apprécions beaucoup que nous présentons souvent à un pasteur théologien et missiologue qui se nomme Timothy Keller. Il a écrit un livre qui se nomme « La raison est pour Dieu, la foi à l'ère du scepticisme ». Il a aussi écrit un autre livre un peu plus étoffé pour ceux qui veulent aller plus loin, « Dieu, le débat essentiel, une invitation pour les sceptiques ». Ce que Timothy Keller fait dans ses livres, c'est vraiment de disséquer d'un côté la culture et toutes ses croyances de base et ensuite vraiment présenter l'évangile tel qu'il est et montrer comment l'évangile est une réponse à bien des problèmes de la culture il montre aussi comment que la culture ne peut pas toujours cohabiter avec l'évangile donc excellent pour comme ressource pour pouvoir comprendre notre culture et mieux comprendre l'évangile et d'un côté et de l'autre hein, du côté qui connaît bien la Bible d'être capable de répondre à la culture de comprendre la culture et du côté de ceux des fois tu te, quand tu lis ces livres tu te rends compte que des fois oh j'ai été beaucoup plus influencé que ce que je croyais par la culture ça nous permet de nous en sortir donc excellente ressource je vous rappelle que les sélections des livres du portail existent toujours elles sont en ligne euh, vous allez voir que le, le, le lien va apparaître ici au bas de l'écran. Vous pouvez toujours aller voir nos livres. Ces livres que, que je viens de vous présenter se retrouvent dans la sélection des livres du portail. Et en plus, nous avons une grâce d'avoir un, un, un code promotionnel qui nous donne 20 de rabais. Donc, le portail qui apparaît aussi au bas de l'écran vous donne 20 de rabais. Je rappelle que nous, on ne fait pas d'argent avec ça. Hein? C'est vraiment parce que ce sont des ressources dans lesquelles nous croyons qu'ils peuvent être utiles pour l'Église de Jésus-Christ que nous vous les présentons. C'est vraiment des outils et des ressources. Quatrièmement, il y a des choses qui sont rachetables dans la société, des choses que nous pouvons utiliser et, et que l'Église peut bénéficier pour elle. Et cinquièmement, peut-être que tu dis aussi, ça c'est n'est pas une autre question, mais peut-être que tu dis, oui, mais là Simon, tu parles surtout de philosophie, tu parles de croyance, tu parles de théorie, mais comment ça fonctionne lorsqu'on parle d'activité, de divertissement ou de consommation, quelle qu'elle soit dans la société? Eh bien, laisse-moi dire que... Souvent, pour, une, pour un divertissement, une activité de consommation, tu peux te poser ces mêmes questions. Hein? Ces mêmes questions peuvent être utiles pour tout type de consommation dans la société. Mais si tu veux vraiment une question éclair afin de discerner euh, si, si c'est quelque chose de bien ou de mal, pose-toi la question, est-ce que tu pourrais, alors, alors que tu participes à une activité ou que tu consommes quelque chose, pose-toi la question, est-ce que je pourrais remercier directement Dieu? pour cela comme si c'était un don qu'il me faisait directement. Est-ce que je peux dire merci à Dieu de cette activité-là qui me permet de participer ou de cette chose ou, ou, ou élément culturel qui me permet de consommer? Peux-tu remercier directement Dieu? Vous savez, la Bible nous dit que c'est Dieu qui a créé le, le, le divertissement, le repos, le plaisir et toutes les bénédictions de ce monde. Tout ce qui est bon vient de Dieu. Donc, ce que tu es en train de participer, ce que tu es en train de prendre plaisir, si tu ne peux pas remercier Dieu pour cette bénédiction-là, eh bien, c'est peut-être que cette bénédiction ne vient pas de Dieu. Et si elle ne vient pas de Dieu, elle vient de l'ennemi de Dieu. Donc, chrétien, si tu appartiens à Jésus-Christ, que tu as fait de Jésus ton Seigneur et ton autorité spirituelle, et que tu veux qu'on puisse voir les marques dans ta vie de, de, de son autorité, déclare-le en disant gloire à Jésus dans les commentaires. On va poursuivre la lecture. Alors, au verset 24, il est dit, le Pharaon dit... Moi, je vais vous laisser partir au désert pour offrir des sacrifices au Seigneur Yahweh, votre Dieu. Seulement, quand vous irez, ne vous éloignez pas trop. Intercédez pour moi. Le deuxième compromis que Pharaon offre au peuple d'Israël, c'est ⁇ Sois un chrétien modéré ⁇ Vous savez, la modération a bien meilleur goût, c'est un slogan qu'on connaît, qu'on répète souvent, mais le christianisme n'a pas meilleur goût avec modération. Le christianisme a bien meilleur goût lorsque tu en as toujours plus. En fait, vous savez, le christianisme n'est pas appelé à être modéré. Le christianisme est appelé à être radical. Ce que, ce que Pharaon est en train de dire au peuple d'Israël, c'est Allez adorer votre Dieu, mais allez pas trop loin. Va pas trop loin. Ça, c'est ce que Satan dit à l'Église. Va pas trop loin dans ton christianisme. Donne-toi pas autant que ça. Ça, c'est le chrétien qui est tout le temps en train de dire Quel est le minimum que je peux faire pour Dieu Quel est le minimum que je peux faire pour rentrer dans ses bonnes grâces, pour lui plaire Le christianisme est appelé à être vécu radicalement. Et je suis bien conscient que souvent le mot radical est malvenu parce qu'on l'utilise bien souvent dans les médias comme un mot péjoratif. Et je veux vraiment te rassurer que je ne veux pas l'utiliser tel qu'on le présente dans les médias. Laisse-moi te proposer une nuance qu'il existe une différence entre une personne intégriste et une personne radicale. Par définition, une personne intégriste c'est une personne qui va imposer sur les gens des croyances et des valeurs. Alors qu'une personne radicale, ce sont des croyances et des valeurs qui s'imposent en elle et qui ont une influence sur sa vie. Le christianisme, là, ça devrait être la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui descend toujours de plus en plus profondément dans les racines de ton être et qui influence tout le reste de ta vie. C'est pourquoi on est appelé à être radical à être toujours de plus en plus touché et transformé par la parole de Dieu jusque dans les plus profondes racines de notre personne et de notre identité. Le chrétien a été sauvé et appelé à être saint. Dieu ne nous a pas demandé de prouver notre sainteté pour nous sauver, mais il nous sauve afin de faire de nous un témoignage à la sainteté de Dieu. La parole dit Jésus est venu nous sauver, nous pardonner, nous donner l'esprit afin que nous soyons saints. 1 Pierre 1 2, Romains 8 29, Éphésiens 1 4, 1 Timothée 4 7, il nous sauve pour faire de nous un peuple saint, c'est ce qu'il veut faire de toi. Avec toi, il veut faire de toi, il veut faire de nous un peuple saint. Vous savez, c'est le, le, le théologien et pasteur Kevin DeYoung qui va dire La foi dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ et l'obéissance, le désir de plaire à Dieu, les bonnes œuvres, la sainteté, tout ça, là, ces deux choses-là sont obligatoires dans la vie chrétienne. La foi dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'obéissance, bonnes œuvres ou tout ça, c'est deux éléments obligatoires. C'est juste que l'une est la racine. L'autre, c'est le fruit de la racine. La foi dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est la racine, et c'est pourquoi nous avons besoin d'être radical. Et je rajouterais même, la parole présente bien souvent la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume que Jésus est venu apporter. Comme une semence, l'image qui est utilisée souvent dans les évangiles, c'est une semence qui vient dans le cœur de l'être humain. Donc, la bonne nouvelle de Jésus, c'est la semence. La foi qui la nourrit, c'est la racine de ton être où tu crois dans cette bonne nouvelle, et le fruit que ça génère à l'extérieur dans ta vie, c'est l'obéissance, le désir de plaire à Dieu, la sainteté, les bonnes œuvres qui nous a préparées. Et encore une fois, trop souvent dans l'Église de Jésus-Christ que nous voyons. C'est deux sortes d'extrêmes qui répondent à cet appel que les chrétiens nous avons. Deux sortes d'extrêmes. D'un côté, il y a les gens qui acceptent le compromis de Pharaon et qui disent Moi, je veux juste faire le minimum, puis parle-moi pas de devoir, de responsabilité, de toutes ces choses-là. Je veux juste faire le minimum. Ça, c'est les gens qu'on pourrait appeler les gens irreligieux, non religieux. Et malheureusement, il y a l'autre extrême. Il y a les gens qu'on appelle les gens religieux. Ça, c'est ceux qui veulent faire le maximum, mais dans le but de gagner l'attention, l'amour et la faveur de Dieu. Les religieux vont lire la Bible, vont prier, vont donner, vont servir, toujours dans le but d'avoir plus. Je vais prier et lire ma Bible dans le but d'être béni, dans le but de gagner l'attention de Dieu, gagner le ciel, la bénédiction. Ou des fois aussi, les religieux le font. Avec la peur. La peur de perdre la bénédiction de Dieu. La peur d'aller en enfer. La peur, la peur, la peur, la peur. J'en donne toujours plus parce que j'ai peur et je suis instable dans ma foi. C'est Timothy Keller qui va dire que les religions ont une foi yo-yo. S'ils si sont performants, ils se sentent bien. S'ils si n'ont pas eu une bonne performance, ils pensent qu'ils sont rejetés de Dieu, ils ont peur. C'est une foi qui est lourde émotionnellement et spirituellement sur le long terme. En fait, c'est une vision de Dieu... Qui est simplement une christianisation du karma. Hein? Si tu fais des bonnes choses, tu t'arrives de bonnes choses. Simplement christianiser le karma. Tu vois Dieu comme un patron au lieu de le voir comme un père. L'irreligieux, c'est le contraire. L'irreligieux, il dit Ah, la, la Bible, la lecture de la Bible, la prière, tout ça, c'est des choses que Dieu a données pour nous, pour nous faire du bien. Ce sont des outils. Donc, je vais les utiliser quand je vais en sentir le besoin, quand je vais vouloir et avoir le désir de les utiliser. Encore une fois, la vision que l'irreligieux a de la sainteté et de l'obéissance à Dieu, c'est une vision qui est égoïste. C'est un peu comme un enfant que tout ce qu'il veut, c'est l'héritage de son père, mais il ne veut pas la relation, il ne veut pas aimer et servir son père. Il veut juste son héritage et ses biens. C'est une vision aussi qui confond la différence entre nos désirs et nos besoins. Des fois, ce que tu veux. Des, des, fois, tu pas des fois, on veut des choses, mais on a d'autres besoins. Et Dieu ne nous donne pas ce que l'on veut. Dieu nous appelle et nous donne à ce que nous avons besoin. Il y a une, il y a une confusion entre désir et besoin. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, le chrétien est ni un religieux, ni un irreligieux, c'est rien de ça. Le chrétien veut s'approcher de Dieu dans sa parole, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Le chrétien veut être généreux, veut servir Dieu. Le chrétien travaille sa sainteté, il... il... Il veut accomplir les bonnes œuvres que Dieu a prédestinées pour nous autres. Pourquoi Parce que le chrétien aime Dieu. Il est reconnaissant avec Dieu. Le chrétien est bien conscient de ce qu'il était sans Dieu de ce qu'il est maintenant en Dieu. Et le chrétien est bien conscient aussi de ses angles morts. Il sait que sa tendance, présentement, nous sommes influencés par le péché. Nous avons une tendance naturelle à nous éloigner de Dieu. Le vrai chrétien fait confiance en Dieu. Plus qu'en lui-même. Il fait plus confiance en Dieu et en sa parole, en son Créateur, qu'en lui-même. Et c'est pourquoi il sait qu'il doit dépendre de la parole, il doit dépendre de la prière, parce qu'il ne peut pas dépendre de lui-même. C'est pourquoi le chrétien sait que parfois c'est demandant de lire la Bible, mais je le fais quand même, je fais confiance en Dieu. J'ai la parole, la prière, le service, la sainteté. Et j'aimerais même rajouter une des choses que je prie, que je rêve que l'Église expérimente c'est de vraiment développer dans la vie chrétienne et c'est ça que bien souvent je trouve qu'il manque des fois chez des croyants développer une réelle joie développer un véritable plaisir dans l'obéissance et dans la sainteté que vraiment le chrétien est heureux et joyeux d'obéir à Dieu il y a un désir de plaire à Dieu et d'obéissance qui prend place une joie et une satisfaction le psalmiste là dans la Bible il est capable de dire qu'il prend son plaisir dans la loi de l'Éternel Vous savez pourquoi quand des enseignements, des instructions, une loi te sauve la vie. Peut-être qu'avant tu crachais sur la loi, mais une fois qu'elle t'a sauvé la vie, tu l'aimes. Toutes les gens ici, vous avez échappé à la mort et que quelqu'un vous a sauvé. Il y a eu un soulagement et après tu aimes ce qui t'a sauvé. Le, quand que des instructions et la loi, un enseignement te sauve. Tu l'aimes. Le psalmiste aime, il sait ce qu'il était sans Dieu, destiné à la mort, et aujourd'hui, il aime son Dieu, il aime l'instruction de son Dieu. Et un peu pour vous l'illustrer, quand euh, j'étais très jeune, vraiment, vraiment très jeune, toute mon primaire et aussi une partie de mon secondaire, euh, ma mère euh, m'amenait tous les, les, les samedis matins euh, dans des cours de natation. Et ceux qui me connaissent savent qu'aujourd'hui, euh, je suis moi dans l'eau, sans blague, je suis un poisson dans l'eau. C'est un des domaines que j'aime le plus dans ma vie. Euh, je ne suis pas un gars très sportif, mais s'il y a un endroit où je performe, c'est l'eau. C'est dans la natation. C'est mon domaine. Et quand j'étais jeune, laissez-moi vous dire que je n'aimais pas aller à la natation. Ces, ces cours, ces instructions, ces enseignements, pour moi, c'était très contraignant. Vous êtes un enfant, le samedi c'est le seul matin qu'on peut, qu qu peut dormir, mais j'étais obligé encore une fois de me lever tôt, de sacrifier la matinée, tout ça. Mais aujourd'hui, je suis reconnaissant d'être tellement à l'aise et bien dans ce domaine. Et vous savez, non seulement les instructions, ces contraintes qui m'ont été imposées jeunes me donnent aujourd'hui une grande liberté, une grande joie, une satisfaction dans un plaisir que j'ai qui est de, de, de me retrouver dans l'eau. Mais c'est aussi quelque chose à travers lequel on peut sauver des vies. C'est quelque chose qui sauve littéralement des vies. Quand j'étais adolescent, j'avais avec moi un de mes meilleurs amis d'église qui était un fils d'ami de mes parents. Donc, on a grandi ensemble et lui aussi avait eu l'occasion de pouvoir prendre des cours de natation et il les avait refusés. Il méprisait justement de se lever tôt, de faire ses enseignements et tout ça. Il a méprisé l'instruction des cours de natation. Et un jour, on se promenait au printemps dans un boisé. On s'est approché d'un cours d'eau. Il a voulu tester un peu un pont avec de la glace et il est tombé à l'eau au printemps, dans les flots, avec les rapides, l'eau qui, qui, qui est beaucoup plus haute qu'à la normale, et il a été emporté dans les rapides, incapable de nager, de s'en sortir. Et c'est qui qui, est qui, qui qui a sauté à l'eau? C'est qui qui est allé le sauver? Celui qui avait reçu les instructions de la natation. Laisse-moi vous dire qu'une fois qu'il a été sauvé par celui qui avait reçu les instructions de la natation, il ne méprisait plus ses enseignements. Il ne méprisait plus les instructions parce que sa vie maintenant en avait été sauvée. Il est possible, en réalisant réellement l'état de notre cœur, en étant convaincu de ce que nous sommes sans Dieu, il est possible de maintenant de prendre plaisir dans la loi de ce Dieu qui nous aime et qui nous a sauvés. Vous savez? Il existe une réelle joie intime, indescriptiblement satisfaisante de se sentir dans une relation saine et pure avec Dieu. Vous savez, euh, ça m'est déjà arrivé dans ma vie, vous savez, de, de, quand j'étais jeune, une des choses que tu veux le moins quand tu es, es jeune, c'est de déplaire à ton père. Tu veux en fait que ton père soit fier de toi. Et ça m'est déjà arrivé de faire des choses et de sentir que, que j'avais déçu et désappointé mon père. Et vivre avec le sentiment d'avoir désappointé ton père, c'est lourd. C'est triste. Mon père reste mon père. Il m'aime. Il ne m'a pas renié. Mais il y a une lourdeur qui est là quand même. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens ici. Je ne suis pas en train de dire que, que tu vas faire des péchés et que Dieu va te renier, que tu ne seras plus son enfant. Et en Jésus, il t'aime. En Jésus, tu es son fils, tu es sa fille, il t'aime. Mais il y a beaucoup de chrétiens, on tolère plein de petits péchés dans nos vies et on ne réalise pas l'impact parfois que ça a sur notre relation avec Dieu. Il demeure ton Dieu. Il demeure ton père. Il t'aime en Jésus-Christ. Mais, mais il est possible de prendre une joie à vivre une relation qui est pure, qui est intime avec Dieu. Et encore une fois, c'est Kevin DeYoung qui va dire, à chaque fois, il dit à un moment donné dans son livre qu'à chaque fois qu'il se lève le matin, qu'il prend sa voiture et qu'il va à l'église, il essaie de se rappeler cette vérité qu'aujourd'hui, être en paix et intime avec Dieu vaut beaucoup plus et beaucoup mieux qu'un coup d'œil de trois secondes qu ce que, que ceux qui ont des oreilles pour entendre. entendre c'est Jésus qui va dire en Matthieu 5,8, dans les cœurs purs verront Dieu, la paix d'être dans une relation pure avec Dieu vaut beaucoup plus qu'un coup d'œil de trois secondes. Maintenant, pour toi peut-être qui te questionne, quelques questions que tu peux facilement te poser, une sorte d'autodiagnostic de toi-même, de ton cœur. Première question que tu peux te poser. Premièrement, est-ce que tu appartiens à Dieu? En Jésus-Christ qui nous réconcilie avec Dieu, nous lui appartenons. Si tu es en Jésus, tu es réconcilié et tu appartiens à Dieu. Deuxième question, est-ce que tu reconnais la Bible comme étant la parole de Dieu? Très important. Recevoir et obéir à la Bible revient à recevoir et obéir à Dieu. Rejeter et désobéir à la Bible, c'est l'équivalent de rejeter et désobéir à Dieu. Troisième question, est-ce que tu as le désir de plaire à Dieu? As-tu en toi ce désir de plaire à Dieu? Ou au moins tu as le désir de vouloir prendre plaisir, d'apprendre à prendre plaisir dans l'obéissance à Dieu? Vous savez, la Bible nous dit que c'est Dieu qui donne le vouloir et le pouvoir. Dieu peut développer en nous un désir de plaire à Dieu. Quatrièmement, est-ce que l'obéissance caractérise ta vie? Encore une fois, comme j'ai dit un peu plus tôt, ce n'est pas une question de quantité d'obéissance. Mais si tu te questionnes, est-ce que tu peux dire, je ne suis pas parfait, je ne suis pas rendu, je ne suis pas arrivé, mais obéir à Dieu, à sa parole et à sa volonté, c'est quand même un élément qui caractérise ma vie, la personne que je suis. Cinquièmement, est-ce que les gens autour de toi, la poids, est-ce que ton obéissance, elle est connue et perceptible des gens qui t'entourent? Si on questionnait ta femme, ton mari, tes enfants, ta famille, tes collègues, tes voisins, est-ce qu'on peut le voir? On voit que Paul va, va demander à Timothée et Tite qu'on puisse voir leur progrès autour de eux. Sixièmement, est-ce que ta sainteté, ton obéissance, ce désir grandit à toi? Est-ce que tu es stable depuis des années où tu cherches toujours à vouloir connaître, t'approcher ton Dieu et grandir sur ton Dieu? C'est des questions qu'on peut se poser. Et encore une fois, je veux te, te proposer des outils euh, dans la même ligne que l'autre point des outils efficaces pour nous encourager, nous conduire dans ce désir d'apprendre à prendre plaisir dans l'obéissance, la sainteté et la pureté. Premier livre, c'est un livre qui a, fait vraiment, euh, qui a vraiment fait ses marques avec les années, un, un classique des classiques, La mortification du péché de John Owen. Euh, je sais que le titre a l'air un peu mortifère, mais laisse-moi te dire, il y a de la vie dans ce livre. John Owen, c'est un pasteur, un pasteur euh, de Londres des années 1600, qui est un modèle incroyable encore aujourd'hui pour de nombreux pasteurs évangéliques, c'est un classique éprouvé par le temps et la pratique, je vous le conseille vraiment. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus moderne, La faille dans notre sainteté de Kevin DeYoung que j'ai beaucoup cité, un ouvrage incroyable pour nous challenger à trouver notre plaisir dans l'obéissance à Dieu. Ce sont des livres que je veux vous, euh, vous recommander. Et si vous avez votre Bible ici, si vous êtes prêt pour le dernier des compromis si Jésus est votre Seigneur, encore une fois, et que vous désirez vivre une relation avec lui, toujours de plus en plus profonde et radicale dans votre vie. Déclarez-le avec des gloires à Jésus dans les commentaires. Allons maintenant au chapitre 10, verset 11. Il est dit Troisième et dernier compromis de Pharaon. Allez-y, je vous prie, vous les hommes, et servez le Seigneur Yahweh, puisque c'est lui que vous cherchez. Sur quoi il les chassa de devant le Pharaon Troisième compromis que Pharaon va proposer, c'est soit un chrétien moelleux, hein, un chrétien qui est bien dans son confort, qui est confortable. Ce que Pharaon est en train de faire ici, c'est qu'il essaie de faire peur, d'intimider le peuple à sortir dans leur rappelant, vas-y avec les hommes, parce que vous avez des commodités en Égypte. Les femmes, les maisons, le bétail, tout ça, c'est beaucoup plus facile qu'elles restent eux, en Égypte et juste les hommes, vous vous sortez. Pharaon veut les intimider parce que si vous sortez, vous allez traverser un désert, vous allez être nomade, il va y avoir des peuples que vous allez devoir vaincre et vous allez même devoir conquérir un pays alors qu'ici, vous avez déjà toutes les commodités nécessaires pour vos femmes, vos enfants et votre bétail. Pharaon veut nous intimider avec la, le confort et la commodité. Vous savez, souvent quand on pense à une idole, on pense à des grandes idoles. Hein? On, va penser, on va penser à l'argent, le sexe et le pouvoir. Et on oublie qu'il y a plein de petites idoles beaucoup plus pernicieuses dans notre vie, comme le confort. Combien de fois dans notre vie, nous n'avons nous pas servi Dieu ou obéi à Dieu parce que nous étions en train de calculer notre temps et notre énergie, alors que c'est le Dieu qui nous a donné la vie éternelle. Nous nous calculons notre temps et notre énergie. Il nous a tout donné, nous nous calculons. Et la clé à cela, c'est qu'il nous faut avoir de la foi de voir plus loin. Israël devait se dire à ce moment-là, oui, il y a un certain confort en, en Égypte. Mais c'est un confort inférieur face à celui de la terre promise. C'est un confort insatisfaisant. C'est un confort qui est asservissant. C'est un confort qui, parfois même, est souffrant. Et c'est surtout un confort qui est éphémère. Et c'est la même chose pour nos réalités. Ce que nous vivons dans ce monde, même les meilleures choses que tu si je te donnais uniquement de ces choses-là, un jour, tu serais insatisfait. Il y a une plus grande satisfaction dans, le, dans le, là où Dieu nous, nous, nous envoie et nous attend. Notre destination, vive à, à la lumière de l'éternité, réaliser que le confort de l'éternité est beaucoup plus satisfaisant, beaucoup plus supérieur, il n'est pas asservissant, souffrant, il n'est pas éphémère comme ce monde. Le chrétien a besoin d'un plus grand objectif pour nous donner la, la, la puissance, la passion et le zèle d'avancer dans ce monde. C'est Brian Chappell qui a dit La plus belle chose qu'un chrétien peut se faire à lui-même, c'est s'avouer qu'il aime son péché, il aime ses idoles, il aime son confort, pour ensuite réaliser que ce qu'il a besoin, c'est de trouver un plus grand amour que ses idoles et ses péchés. C'est Martin Leon-Jones qui va dire Certains péchés deviennent plus difficiles lorsque nous comprenons l'Évangile. Par exemple, si nous sommes héritiers de la terre, pourquoi convoiter? Si nous sommes la propriété chérie de Dieu, pourquoi être jaloux? Si Dieu est notre Père, pourquoi avoir peur? Si nous sommes morts au péché, pourquoi continuer de vivre comme si ce n'était pas le cas? Si nous avons été élevés avec le Christ, pourquoi, pour, pourquoi courir après notre vieille vie de péché? Si nous sommes aimés d'un amour infini, pourquoi chercher à prouver notre valeur dans les yeux du monde? Nous avons besoin de vivre avec l'espoir unique que seul Dieu peut nous apporter. Église. Alors que nous nous apprêtons à retourner en louange en adoration, je veux vous exhorter. Fixons nos yeux sur la seule espérance qui vaut la peine d'être vécue, de vivre pour de dépenser nos énergies, dépenser notre temps, car c'est la seule espérance qui te promet de vivre pour l'éternité. Ne calculons pas l'obéissance à Dieu, ne calculons pas notre service, ne calculons pas notre sainteté, mais cherchons plutôt à vivre entièrement et complètement pour le Dieu qui s'est donné à nous entièrement et complètement. Allons en louange et en adoration.